À propos de culture, mademoiselle Laura du Web a quelque chose à vous dire. Vous vous souvenez de ce monsieur Zuckerberg? On le rappelle, qui c'est pour ceux qui, par hasard, ne le connaîtraient pas. Mark Zuckerberg. Un jeune entrepreneur. Un petit jeune qui a décidé, en fait, depuis le début de l'année, de créer un club de lecture, William, et de toutes les semaines... Non, mais dites qui il est, pardon. Hein. Ah, ben c'est le fondateur de Facebook. Merci beaucoup. Voilà, excusez-moi. Et justement, il a créé une page Facebook qui s'appelle A Year of Book. Toutes les semaines, tous les lundis, il recommande un livre qu'il est censé lire, William. Parce qu'il lit des livres maintenant. Mais justement, cette année, l'année dernière, c'était Apprendre le mandarin, sa résolution. Cette année, c'est lire un livre par semaine. Donc, il a partagé le livre lundi, qui s'appelle The Hand of Power, de Moïses Naïm, qui est un éditorialiste vénézuélien, ah, ancien ministre. C'est très chic, ça. Oui. Et le livre est en rupture de stock total dans le monde. Il est publié en France ? Et on peut l'acheter via les sites internet. Ah oui, d'accord. Enfin, on ne peut plus l'acheter maintenant, c'est fini. Voilà, il n'y a plus de livre. Comment ça s'appelle, ce livre ? The Hand of Power. The Hand of Power, d'accord. On peut peut-être lui recommander le livre de Houellebecq pour la semaine prochaine. On demandera à Olivia. Merci beaucoup.